Salut tout le monde, Safter Zimmer, carte 9 compagnie de Rafa Goda. On se retrouve pour la partie 4, parce qu'on est relié de pair. Ouais. J'en tremble. Et puis bah c'est parti, donc là il y a eu je sais pas quoi. Ouais, là on a récupéré les ciseaux et tu devrais aller à la porte. Et on va aller couper des petites feuilles. Qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah tu... Vas-y, tu me guides. Bah, regarde ta map. Ouais, mais je la vois pas là. Mais un. Ah non. Oh punaise, j'entends des bruits. J'ai plus de deux. Impossible en tenant ce saut. Oh putain, non. Je peux rien faire. Bah tu cours. Tu cours. Attends, non, vas-y, va sur la map, va sur la map. Vas-y, tout droit. Tout droit. Tu me guides, hein. Bah ouais, mais des fois tu devras t'arrêter pour que je regarde le téléphone. Là, vas-y, arrête-toi. Encore tour droit. Je te dirai quand tu devras t'arrêter. Vas-y, là tu tournes. Attends. Derrière toi, tu vas derrière. Tu tournes là. Voilà. Et là tu vas. Et là tu la poses et tu les emmerdes tous. Oui! On nous fait une sorcière. Bon. Oh, je vais pas aimer là. Ah, chargement. Rebonjour Sarah. Une note. M'en fous, il y a une note. Attends. Ah, c'est écrit bien. Bah si un 9 et demi avec du volant. Est-ce qu'on enchaîne en fait, hein? Je flippe, mec. Un greffe de peau en plus. T'as fini? Ouais. Ah putain, j'ai pas envie de le faire. Bon. Ah, mais c'est plus... Dans une maison? Ouais, vas-y. Pourquoi il y a des lags? Ouais. Ah, c'est parce qu'il y a un chargement. Ouais, ouais. Encore. Et... Note dans les chiottes. Et on nous enferme. Non! Au moins, tu peux aller dans les toilettes. Alors, patient 13. Quel chiffre inquiétant? Les archives de l'hôpital indiquent que ce numéro est le plus souvent attribué à des patients particulièrement troublés. Ah, comme par hasard, le 13. Ah, bah oui, bah oui. Vendredi 13. Le présent, qui n'y fait pas exception. Compte tenu de la nature de sa naissance, je devine de nombreuses institutions, mauvaises décisions et pire pour son futur, parfois je me demande si les troubles intérieurs de certaines personnes ne sont pas au-delà de tous ces. Putain, je tremble. Mec, regarde, je tombe comme un porc. On voit pas là. Ah, je flippe, mec. Bon, bah. Pourquoi ça lag? Je sais pas, c'est. Ah, c'est... Ah. Bonjour, madame la directrice. Alors, on va chercher des livres en haut et on revient. Alors, bonjour, madame. Non, ça se trouve, voilà. Elle va apparaître devant. Tu vois, là, on va prendre la page. Genre dans les chemins. Et derrière nous, eh ben, elle sera à son bureau. Salut. Salut. Alors, le bonjour pour aller le fruit. J'ai remarqué qu'une bonne partie du personnel vous y compris, s'est soudain laissé aller à répandre des rumeurs. Dois-je vous rappeler à quel point vous tous avez de la chance d'être ici bah putain, la chance qu'ils ont. En comparaison à l'extérieur où l'huile, les maladies, oui, non. Nous avons une certaine quantité de problèmes avec nos pensionnaires et certains de nos patients les plus excentriques. Oui, nous avons dû occasionnellement prendre des mesures dramatiques pour certains d'entre eux, mais j'ai besoin de tout le monde derrière moi. Si nous voulons assurer que la machine reste en marche, je fais tout ce qui est en mon pouvoir. M. M. Monsieur. Monsieur M. Monsieur K. Oh, alors toi, Marilyn Monroe. Vas-y, il n'y a pas un truc là derrière? Non, j'ai pas envie de savoir. Attends, il y a peut-être une. Ah si, il faut découvrir. Non, c'est... Je vais peut-être prendre... en piote. Ah, il y a une page. Oui, il y a un truc bizarre là. Ah, il y en a deux. Yes. Les services d'entretien ont terminé les modifications que vous avez demandées pour votre bureau aussi confirmement à votre requête. Je me suis assuré que tout ne travaille que sur une petite partie du projet global. Votre nouveau bureau devrait être maintenant parfaitement opérationnel. Judy. Jeudi, vendredi. Prisonnier 85 est sous ma garde directe depuis une semaine. Son tempérament semble stable. Il semble avoir contracté une sorte de virus causant fièvre et délire incohérent. Il est actuellement traité par les infirmières. Je ferai une nouvelle évaluation de sa condition une fois. L'étude complétée. On échange toutes les 5 minutes. Hein. Il reste 30 secondes pour moi. Ouais. Ouais. Parce que je ne flippe pas mort en fait. C'est pour ça que je suis pressé. Et je suis allé par... Je dois aller par où, en fait? Je sais pas du tout, en fait. Il doit se passer un truc. Ouais, c'est assez bizarre, parce que... Y a pas grand-chose. Ah, je veux pas retourner en arrière, moi. Non, pourquoi on devrait retourner en arrière? T'entends la musique?
Ah, c'est à toi. Okay. Je me souviendrai toujours de ça. Ça me fait stresser à mort comme un petit flambi, ça. Et re tout le monde. Au revoir tout le monde. C'est parti. Parfait, Gouda, et puis il est plus courageux que moi, donc ça devrait être plus rapide. Je l'avoue. Putain, mec, mon bras, il fait des trucs bizarres. Tu ouvres cette foutue porte. Je veux pas fermer. Dommage. Mon bras, il fait comme des battements. Eh, bouge. Eh, bouge là. Bouge là. Bouge ça de la porte. Punaise. Là, il faut que tu fasses un truc ici. Hein. Tu peux pas monter à l'échelle ou comme ça? Faut que va au bureau pour voir. Ça se trouve, il va y avoir un truc. Oui. Oh, là. Par contre. Une guillotine. Ah non, il y a putain de passage. Putain, ça me fait un peu comme j'ai eu. Oh, on se calme le troll, hein. Ma deuxième maison. Ouais. C'est une prison, quoi. Bah, t'as eu la bonne intuition d'aller au bureau, toi. Dieu. Toujours quelque chose sur le bureau. Putain, c'est un labyrinthe. Non, il va pas, il y a un trou là. Par terre, il y avait un trou. T'es sûr? Je crois. Il retombe pas, mais... Oh putain, merde. Putain, je me paume. Il va y avoir des trucs. Il y a eu une trousse de soins, mais tu l'as pas vu. What, c'est fermé? Ça s'est fermé? Oh, ça s'est rouvert? What? T'as pas vu, il y avait une porte en fer là-dedans? Si, si. Vas-y, j'en ai marre. Tu peux pas rejouer. Non, non. À 10 minutes, ça saute. Non, non, c'est 10 minutes la vidéo. On arrête là après. On a recherché pendant. Ouais. Tu vois? Ah non, c'était des feux de bengale. Cool. Pour l'instant, je crois qu'on va pas se faire attaquer. Il y a un moment, on va se faire attaquer et on va avoir beaucoup de mal. On va se faire. Oh, il y a une page là-bas. Ouais, je sais. Va la voir. Va à la page. T'en fous, mec. Un petit peu de répit. Allez, vite. Oh, c'est une page en feu. Alors, Paul, quelque chose ne tourne pas avec le prisonnier 203. Putain, c'est une prison. Mmh. Oh, c'est la prison qui est après. Alors, la nuit dernière, Berthe et moi, l'avons entendu hurler. Sa voix était méconnaissable. Mais le temps qu'on arrive, les hurlements avaient cessé. Mais il criait toujours, presque comme si les deux n'avaient rien à voir. Je ne sais pas comment il fait ça, mais ça me désespère. Non, sérieusement, la trouille. Il se met à crier dès qu'on éteint la lumière, les gars. Le gars n'est pas normal. Non, le gars n'est pas normal. Paul et les autres détenus me supplient de le renvoyer en haut. Je ne sais pas quoi faire. Foutre avec ce type. Je ne sais pas quoi foutre avec ce type, d'accord. Officier Barkstroker, ça y est. Ça fait 10 minutes, hein, tu me dis quand tu le sens plus. Perso, j'aurais déjà arrêté. Oh. Mais c'est tellement bien. C'est vrai. Oh, non. Ah, tu vois des poils qui sortent du... What was that? C'est quoi ça? Non, oh. Mais ta bouche! En plus, ce son-là, j'en ai marre. What the... Je le sens pas, lui. Deux. Fais deux. Ouais. Mais dis, tu as vu, mais je les emmerde. Je les emmerde! T'as l'air par l'esprit de merde! Non, non, pas les esprits, mais ceux qui ont... Eh, tu le veux dire, hein? Bonjour. Vous voulez du pain? Tu le dis quand tu veux t'arrêter. Ouais, mais... Attends, je reviens. Tu dis, hein. Moi, j'oserais pas continuer pour ça. Le réfectoire. Oh, il y a une note là. Non? Ah, il n'y a pas de note. Ah,
Le pénitencier de Mid Island connaît une augmentation des crimes, de crime de violence et une croix à une incontestation des services des services de la ville. Autant les prisonniers que les gardes montrent des signes de comportement violent dont le personnel semble incapable de fournir raison ou solution à ce problème. Le chef de la police, Sherman Wills, a annoncé que, au besoin, ses forces iraient sur l'île afin de rétablir l'ordre dans la prison au sujet des rumeurs de disparition de détenus qu'on explique trop souvent par des évasions. Wills s'est refusé à tout commentaire. Et on fait comment? Parce qu'il n'y avait pas de sauvegarde. Du coup, on va recommencer avant. Ouais, mais on sait comment faire. Oui. Non, tu le feras parce que moi, je sais pas du tout comment on peut faire. Donc... faut aller sur le bureau. Ouais, c'est pas mal. Je pense que tu feras et on fera une petite pause là où on était en vie. Non! Le non. Retour de... Ça va, petite? Ça va, petite? Tu vas un petit câlin? Au pire. Non, t'arrêtes pas tout de suite, mais attends, il y a une putain d'action. Ah oui, d'accord. Au pire. Dans une prison? Ah non. Bon, on arrête là? Ouais. On va fermer la porte. Non, on arrête là. Ouais, attends. On va fermer la porte. Échappe. Fais chaffe, voilà. Bon, et bah... puis c'était la partie 5 4 Ok. 4. Et puis bah, sur ce, les amis, on se voit à la partie 5. Allez, ciao, bye tout le monde. Bye.